Eh bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo découverte sur Cities Skyline 2. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très 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 bien. On se retrouve pour cette première vidéo sur PC. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très 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 bien. Très content de vous retrouver voilà sur du Cities Skyline 2. J'adore, j'adore. Moi Cities Skyline, pour vous dire... Dites-vous que moi, j'avais précommandé Cities Skylines sur PS4 quand il était sorti, genre en 2017. J'ai payé au prix fort, alors que maintenant, bon, bah, il vaut plus rien. Et aujourd'hui, eh ben, on va découvrir ça bah, à ma manière, donc c'est-à-dire sans les tutos, désactiver les tutos, voilà, dans un style nord-américain. Catastrophe naturelle, non merci. Je tiens à m'amuser. Et puis bah c'est parti, nous sommes en qualité élevée pour ceux qui veulent savoir, donc vous regardez cette vidéo en 1080p, peut-être pas 60 fps, je sais pas. Et puis bah voilà, on va découvrir ça du coup. Alors les zones, qu'est-ce que les zones? Ah oui, c'est pour les quartiers, ok. Donc là c'est pour les maisons, ok. Bâtiment emblématique, ok, bon. Je découvre... On découvre, on découvre. Ouais, ok. Électricité. Eau et goût. Électricité, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des trucs comme ça, ou des câbles électriques. Ok. Ça fait quand même beaucoup de trucs. Les eaux, enfin, les eaux, du coup. La pompe à eau. Donc là, on a tout ce qui est hôpital ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce que j'ai désactivé sans faire exprès la musique? Ouais. J'ai fait exprès. J'ai pas fait exprès. Je vais... Hop là. L'abaisser un petit peu quand même. Parce que quand j'ai fait des tests, eh ben, ça me rendait sourd. Voilà, parfait. Donc normalement, on devrait avoir de la musique. Normalement. Oula, je suis parti un peu loin. Ok, donc, gestion des déchets, évidemment. Éducation et recherche. Donc là, c'est tout ce qui est école. What the fuck? Pardon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Ah oui, niveau taille, maintenant. Ah, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, hein. Ah, mais il y a d'autres trucs aussi. Oh! J'avais pas fait gaffe. En fait, si j'appuie sur R1... Oui, je joue à la manette. Voilà, si vous me demandiez. Je joue à la manette. Un pont. Parce que pourquoi pas. Oh. Disponibilité de parking. Eh, c'est pas la tour BMW, ça? Bah, enfin. Ok. Communication, aménager et tout ça, ouais, économie de la ville, l'ensemble des transports, statistiques, les souterrains, le mode photo, journal des événements, citoyens. Ok. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Progression, carreau de la ville. On peut acheter tout ça. Oh. Est-ce qu'on peut tous les acheter? En train de me dire. Pas assez de... Ah, pas assez de permis. Ah. Hop là. Ah. Oups. Ok. Bon. Là, ça va être une vidéo découverte, comme je vous l'ai dit. Hein, on va pas... On va pas... Merde. Ne vous attendez pas à du grand spectacle ou quoi. J'essaie d'en acheter le plus possible. Voir si je peux voir ce que je peux gratter. J'ai gagné un succès. Succès déverrouillé. Voilà. Plus s'attarder sur ceux qui sont là. Ok. Bon. Très grande ville quand même.
Ok. Eh ben, on va faire quand même les premières routes, histoire d'avoir quand même des petits paysans, des petits villageois dans notre ville. Et puis bah c'est parti. Alors. Ah bah yes. J'ai réussi à gagner 2 trophées. Enfin 2 succès. Nous sommes en qualité élevée pour ceux qui veulent savoir. Et oui, je sais que la qualité élevée sur ce jeu est un peu pétée. Donc ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle évidemment. Oh. J'aime bien le fait que quand tu veux placer la route, ça fait une petite prévisualisation comme ça. Donc moi je suis pour ce genre de truc. Hop là. Donc là, on a fait notre petit lieu comme ça. On va faire un petit peu au loin. Qu'est-ce que... Ah, il y a déjà des... Oh, ok. Il y a déjà en fait des comment ça s'appelle, j'ai oublié. Des lignes à haute tension, voilà. Et en fait là, l'objectif ça va être de faire... Bon, on va faire un truc dégueulasse, hein, je vous conçois, mais on va au moins faire une petite route. Par voilà, comme ça. Pour faire une centrale nucléaire, ici. Oui, directement, hein, on va pas s'embêter. Oh. Oh ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah, donc là, on peut accéder aux demandes ou quoi. Ok. Pas d'informations. Et donc, ouais, à ce qui paraît, on peut améliorer les bâtiments et tout. Enfin, c'est... À ce qui paraît, ce nouveau jeu est très complet. Donc là, ouais, hein, ça va vraiment être... truc pour gamin. Truc pour gamin. Et comment on ralentit le temps? On peut juste le mettre comme ça. Ok. Ok. Eh ben, mettons en pause pour s'occuper de l'eau. Alors, comment on s'occupe de l'eau? Il faut une pompe, évidemment. La pompe que l'on met... ici. Hop là. Canalisation unique pour le transport des eaux usées. Ah. Et bah ça va être les deux. Hop là. Hop là. Ah, et du coup ça fait automatique. Oh putain, c'est du génie. C'est du génie. C'est du génie. Ce jeu, il est encore mieux qu'avant. Oh, ça... Oh là 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 là. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs. Dites-vous, hein, que... Ouais, comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo à prendre... au 121e 1000 degrés. Enfin, je crois. Est-ce que... Oh... Ah ouais, d'accord. Genre, là, du coup... Pour relier tout ça à la ville. C'est relié automatiquement? Oh mais oui, mais c'est relié en fait. My bad là-dessus, my bad. Hop là, et du coup pour supprimer. Ok. Ok. Et ben ça, on va reprendre ça. Regardons un petit peu comment ça se construit ici. Il n'y a pas d'eau usée. Oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Les eaux usées, on va les faire partir depuis là. Hop là. Depuis là. Les eaux caca, comme on dit chez nous. Ça fait du bien de retrouver City Skyline, mais sous un nouvel angle. C'est bien, c'est cool. J'avais vu l'annonce du jeu à la conférence Paradox, mais de toute façon, vous étiez là, évidemment, hein, vous aussi. On avait vu ça ensemble, d'ailleurs, la VOD est sur la chaîne d'Esclaves VOD, n'hésitez pas à aller la voir. Ok. Donc voilà, pour le début de la petite ville, on a du coup eh ben, plusieurs trucs. On va faire... On va retirer ça.
Oh. Et on peut pas retirer directement. Ah si. Ok. Comment je... Ah, ça se fait tout seul. Ok. Ok. Je ne le savais point. Donc là, on reprend la route. On continue à faire des routes à quatre voies. Ah, les buildings. Ok. Ok. L'esclave, c'est pas comme ça qu'il faudrait jouer. Tu fais n'importe quoi. Oui, mais moi, je m'amuse. Je m'amuse. Ok, hein, moi c'est bon, hein, je pense qu'on a bien le droit de s'amuser. Hop là. Moi je m'amuse personnellement. Moi je m'amuse. Et je vous tiens en otage avec moi, hein, évidemment. Hop là. Non mais sans déconner, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Ah, on n'est pas relié. Ah, c'est pas relié en fait. C'est pas relié, c'est ça? Nous rencontrons des problèmes d'eau. Actuellement, veuillez patienter. Pourquoi il y a des problèmes d'eau? Ah, il n'y a pas assez de disponibilité d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Pourquoi il n'y a pas assez d'eau? Station de pompage? Pas d'eau souterraine. Château d'eau? Je sais pas ce que je fais. Je galère déjà. Ah, ah non. Ah non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Êtes-vous sûr de raser ce bâtiment? Ouais, ouais, je suis sûr. I am sure, I am sure. Hop, là. On va les relier ici, parce que je sais pas trop quoi en faire de ça. Hop là, j'imagine. Hop là. Attendez, je galère. J'essaie de prendre en main... ce que je suis en train de faire là. Est-ce que... il n'y a pas d'eau. Dans l'eau, il n'y a pas d'eau. Là, il n'y a pas d'eau. Là, il y a de l'eau. Ah ouais. Commerce de l'eau. Comment ça, commerce de l'eau? Loyer élevé. Ah ben ça, j'y peux rien, moi. Loyer élevé. Économie de la ville. Fiscalité. Taux d'impôt, on baisse. De toute façon, on n'en a pas besoin. Moi, le loyer, je pars à n'y faire. Hein. Bâtiment emblématique. Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? C'est à New York, ça. Je regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Ouais. Mais ça va, il y a quand même beaucoup de trucs. Chauffement des éléments. Hop là. Les suites Polaris. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines of the city council on how to plan for temporary events. This has been a local public service announcement. Oh, recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. This is St. Louis. Je sais pas comment faire. Voilà, oh bah voilà, parfait. For our newer, less able listeners,
First, we will be dancing through the al dente section before entering the slower largo movement finally, then savoring the vivacious anti-pastor movement. So, without further ado, let's Alors que la radio Hop là. Bon, je fais de la merde, hein. Mais c'est pour faire un quartier industriel. Ah, ça se met direct en construction et tout. Ah ouais. Ah ouais, mais vraiment, ce jeu, il a de la gueule. Qu'est-ce qu'il y a ici? On attend la corbillard. Ah oui, il manque des services. Il manque des services, il manque des services. C'est quoi ça? C'est un hôpital? J'avoue que je vois pas le nom où ça pourrait être. Ah, c'est là, hôpital. Qu'est-ce que c'est? Ah merde. Centre de contrôle des maladies, et ça c'est Institut de recherche pour la santé. Ok. Il nous faut aussi une décharge. Qu'est-ce que c'est? Une gestion des déchets. Une usine d'incinération. Putain, il faut. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Ah, il faut des routes maintenant, pas assez d'électricité. Ah, ben oui, ben oui. Ben oui. Comment je relis ça? Ah, d'accord. D'accord, ok, je vois. Du coup, pour le truc aussi, hein. Bah oui. Pour le truc aussi, j'imagine. Et là, on relie là à ça. C'est bien ça, hein. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Waouh. Waouh, c'est trop beau. Sans déconner, hein, ça va être incroyable. Les sessions que je vais me faire sur ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une série sur le jeu où je fais ma propre ville sérieusement, parce que bon, là c'est surtout pour découvrir, voir un peu ce qu'on peut faire avec les outils du jeu, etc. Mais je suis sûr, en vrai, on peut faire tellement de beaux trucs. Bon, là je fais de la merde, hein, mais c'est normal. C'est parce que je sais pas jouer. C'est parce que je sais pas jouer, du coup je fais vraiment de la merde. Mais il y a un potentiel de fou avec ce jeu, moi je vous le dis. Ah, je peux pas être plus droit que ça? Là. S'il te plaît, sois droit, s'il te plaît, quand même. Ah, l'éducation, maintenant. Oh non! Oh non! Et du coup, à chaque fois, on doit aller ici, comme ça? Un peu chiant. Enfin, un peu... C'est pas pratique, on va dire. Qu'est-ce que c'est, ça? Usine, université de... Eh ben, vous allez avoir... une école primaire. Et directement un lycée juste à côté. C'était rapide. Il n'y a pas de collège. Oh putain, l'université! Oh, l'université technologique! Ah, pour ce City Skyline, ils se sont dit, allez les gars, on voit les choses en grand. Avec le bâtiment BMW ici, j'adore. Oh là là, niveau performance par contre. Je sais pas si ça se voit sur le record. Normalement, oui.
je pense, si tout marche bien. Mais on est sur quelque chose qui rame beaucoup. Qu'est-ce que nous pourrions faire ensuite comme autre type de bâtiment? Qu'est-ce que... Pourquoi ça faisait ça? Hop là. Et donc, Tesla, il a l'air de ramer un petit peu ton jeu. Oui. Oui, vous avez raison. Ça rame un peu. Mais c'est la version PC qui est comme ça. C'est la version PC. Et le jeu a été retardé en plus. Sur console. Donc, chouette, comme on dit. On va se mettre depuis tout là-haut. On va faire des logements à densité moyenne. Et là, on va faire des logements de type LV ici. Pourquoi LV? Parce que ça va être un petit peu le centre-ville, tout ce qu'il y a ici. Ça va être un peu les buildings, voyez-vous. Y'a pas moyen de baisser un petit peu la qualité histoire qu'on gagne en FPS ou quelque chose du genre? Qualité globale. Moyen. Voilà. Ah, c'est un peu mieux comme ça. Bon, les bâtiments font des blackface, mais. Et on passe en nuit. Incroyable. On passe en mode nuit. J'y comprends rien au jeu, hein. Je pense que vous le voyez. Mais c'est beau, hein. On peut faire un aéroport. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, c'est quoi ça? Centre spatial. Ah oui, d'accord. Un aéroport international. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc du démon? Ah oui, d'accord, là c'est littéralement des autoroutes qu'il faut. J'ai pas des grandes routes comme ça. Parfait. Chevauchement des éléments. Grande route comme ça. Hop là. Qui mène sur une petite route comme ça. C'est de la merde, je sais. Mais c'est pour faire genre. Mais l'aéroport, par contre, ce swag, comme dirait les Jones. Vraiment, le jeu, il est énorme. Le 1 à côté, c'est de la gnognotte, vraiment. Deux tours jumelles comme ça, alors qu'on construit un aéroport. Génial, les coïncidences. On rigole, évidemment, on rigole. Plus de routes. Est-ce qu'il y a moyen de faire des quadrillages comme ça? J'avais vu qu'on pouvait faire des quadrillages dans le jeu. Option des outils. Mode parallèle. Là, mode outil. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Activer la géométrie, accrocher à la géométrie existante. Pourquoi ça met des ponts comme ça? Je veux pas de ponts. Ah, mais c'est parce que ça met des ponts. Alors, si j'essaie de faire ça. Merde.
Attendez, moi j'essaye de... mode parallèle. Ah. Oh. Genre si je le fais là, ça le fait en dessous. Ok. Oula, je me suis un peu foiré. Oups. Très intéressant ce jeu. Hop là. Mais le mode parallèle est cool. Ça, c'est validé. J'aime bien parce que la ville, elle part juste d'un côté. Enfin, elle part juste... Hop là. C'est juste un trait, la ville, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est pas droit. Je sais que c'est pas droit. Je sais, je sais. Hop là. Bon, là, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Hop là. Donc là, on va faire bâtiment, grand bâtiment, grand bâtiment. Donc on a besoin de... ça, de ça, évidemment. Et des bureaux, évidemment, à forte densité. Hop là. Hop là. Ok. Eh, la ville commence à prendre forme, j'ai envie de dire. C'est pas beau. Waouh! Waouh, les nuages! Les bugs graphiques! Qu'est-ce que c'est que ces tuyaux là? Ah, c'est des souterrains. Ah, c'est parce que je me suis mis en mode de vue souterrain. Ok. Exercise caution if you must drive. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few tour télé. Enfin, une tour d'observation, du coup. For our newer, less able listeners, first we hop là. Petite tour d'observation là, comme ça. Slower Largo movement, finally, then savoring the vivacious anti-pasto movement. So, without further ado, let's raise the curtain and à côté de grandes zones commerciales. And when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's alors good que la radio. Faudrait que je m'attarde moi un jour sur cette radio, voir un peu comment ça fonctionne la radio là dans le jeu évidemment. Ouf, oh, c'est pas droit ça. Oh là là. Oh là là.
Oh là là. En vrai, on va attendre avant de mettre quelque chose ici. On va mettre ici. À plat. Ici, on va retirer ça. Et on va remettre à plat. Ça comme ça. Bon. Bah franchement, ça m'a l'air pas si mal que ça, ce City Skyline 2. Franchement. Eh, entre nous. Bon, certes, il est buggé. Et franchement, les développeurs auraient dû mettre un petit peu... Bon alors, ils auraient peut-être dû prendre un peu plus de temps pour le développer et éviter de le sortir comme ça. Parce que bon, pas fou. Mais sinon, en vrai, il y a des trucs. Enfin, c'est pas nul. Hein. Je dirais qu'il est mieux que le 1. Je déconne même pas. Et pourtant, le 1, je l'ai poncé. Pour faire autant de conneries sur un jeu, ça, je sais faire. Donc ouais, franchement, chapeau. Chapeau, moi je dis. Un hôtel de ville, banque centrale. Qu'est-ce que c'est ça? L'hôtel de ville. Bon, on le met à côté de la banque. Bureau de l'aide sociale à côté du QG de la police, comme ça ceux qui fraudent. Voilà. Franchement, le jeu est beau. Le jeu est beau. Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo découverte sur City Skyline 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, de mon côté, je pense que je vais continuer à y jouer de mon côté. Évidemment, je vous remercie. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Desclaw. Des bisous à toutes, des bisous à tous. Et à la prochaine. Des bisous, YouTube.